Il faut regarder si tu reçois le message là, si c'est mieux, tu fais la transition là aujourd'hui. Voilà. Il demande qu'on envoie ça à Yaoundé, un général voyage. Voilà. C'est quelqu'un qui est souffrant. Merci. Bonjour la famille. Paul bien voyage, il confie le pays à Gongo. Quand tu vois comment on confie le pays à quelqu'un, ou bien quand tu vois comment on confie quelque chose à quelqu'un, tu comprends que celui-là dont on vous fait croire que c'est lui le numéro 2, il n'est même pas à côté. Regardez comment Paul bien voyage, le premier ministre, on le salue comme un bon à rien, comme quelqu'un qui n'a aucune valeur. Mais on arrive sur Ngongo, on arrive sur Vondoyolo, on prend plus de temps, oui. On se confie à quelqu'un pour longtemps quand on sait qu'on lui a confié des choses importantes. Mais oui, c'est parce qu'on sait qu'on a confié des choses importantes à Ngongo que l'accolade, que la conversation envers lui prend beaucoup de temps. Et c'est plus important. Regardez comment on salue le Premier ministre. Regardez vous-même comment on salue le Premier ministre. C'est-à-dire comme s'il n'est rien. C'est comme s'il n'est au courant de rien. Le Premier ministre au Cameroun orne seulement la place. Voilà. Il vous jure, les gars. Le Premier ministre au Cameroun, il orne seulement la place. Vraiment, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. On arrive au milieu. Le premier ministre au Cameroun n'a aucune valeur, les gars. Arrêtons ça. Arrêtons de nous leurrer, les gars. Ça ne ressemble à rien. Ah oui. Ça ne ressemble à rien. Comme a dit l'honorable Zongan, que le premier ministre est le premier des ministres. Donc il arrive le premier. Voilà, son rôle c'est juste parce qu'il arrive le premier. À part ça là, il n'a aucune valeur au Cameroun. Tiens, vraiment, le pays là, on redit un homme à rien. On te nomme quelque part, tu n'as aucune puissance. Je démissionne, meuf. Je démissionne. Non, je démissionne. Vous me nommez le genre là. Non, non, non. Je démissionne. Et quand on va dire que nous sommes dans un état tribal, les gens vont dire que, oh, tu veux parler quoi comme ça là? Voilà. Ngongo, c'est la famille. Vondo Ayolo, c'est la famille. Permis, viens. Non, non, il n'a aucune valeur, les gars. Il n'a aucune valeur. Hein? Dis-en. Il n'a aucune valeur. Hein?
Ah, yeah. On connaît des pays. Le premier ministre a sa place. Le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Mais c'est lui qui a la une quand le président voyage. Mais oui. À part lui, personne d'autre. C'est quel pays ça? Qu'un chef d'État voyage, hein, la conversation avec le premier ministre, avec le premier ministre n'a même pas lieu. Mais oui, c'est comme s'il n'existait même pas. C'est comme s'il n'existait même pas. C'est quelle manière ça? Ah, c'était compliqué, hein? Franchement. Non, j'ai dit, je ne réponds plus à certaines personnes sur Facebook. Hein, ça leur donne plus de valeur et... On nous déconcentre la cible. La cible, c'est Paul Bien. C'est clair. Bah, tant que Paul Bien n'est pas là, Ngongo n'existe pas. Voilà, mettons ça dans la tête. Voilà, nous sommes dans une autre phase de changement. Donc, sachons une seule chose. Tant que Paul Bien n'est pas là, ok, Ngongo n'existe pas. Tous existent parce que Paul Biya est là. Donc, si M. Paul Biya est déposé, ok, en 2025, les Ngongo ne vont pas exister. C'est clair. C'est simple comme bonjour. Donc, il ne faut pas avoir Bac plus 100 pour comprendre cela, la théorie là. Donc, tous existent, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà. Et le jour qui ne sera plus là, tout est fini. C'est un peu comme bonjour les gars. Donc arrêtons de nous leurrer et concentrons-nous. Et même l'énergie, il ne faut plus dépenser l'énergie. Voilà. Arrêtons de dépenser notre énergie pour les banalités. Voilà. J'ai dit, je ne réponds plus à certaines personnes. Je les ignore. Parce que la cible, c'est qu'ils veulent te désorienter. C'est tout. Bon, parfois, tu peux être bien, de bonne humeur, tu réponds à certaines personnes, mais parfois, là, ça ne sert à rien. Donc dorénavant là, vous êtes nombreux là que parfois vous allez écrire quelque chose, je ne vois pas parce que je sape les commentaires. Parce qu'on a quelque chose d'important à dire, voilà, il ne faut pas se déconcentrer en fait, ok? Il faut être figé, il faut être focalisé. C'est très important la famille. Voilà, c'est très important. Sinon là, nos enfants vont vivre ce que nous-mêmes nous avons vécu. Voilà, et puis le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est ce que nos parents devaient en finir avec depuis, qu'ils nous ont laissé et que nous avons hérité. Vous avez vu? Alors que tu vas hériter même les problèmes de ton père. Tiens, c'est compliqué, hein? Ah ouais, tu dois hériter même le comportement de ton père, les problèmes de ton père, les dettes de ton père. Ah oui, c'est vrai, la famille. Franchement. Voilà un pays, tout un pays. Quand vous dites que c'est l'état tribal, l'état tribal. Voilà, quelqu'un va dire Koutès. Koutès a quelle valeur là-bas? Koutès a quelle valeur? Hein? On n'a que dans un état pareil, un état tribal, un système de mal-gouvernance, on ne fait que confiance aux hommes de main. Voilà. On ne fait que confiance aux hommes de main. Comme l'Engongo, c'est le frère. C'est un homme de main. Voilà. Il est secrétaire général à la présidence. Voilà. Il est secrétaire général à la présidence. Il n'est pas le chef. Il n'est pas le patron du premier ministre. Mais comment se fait-il que Paul Bien voyage, hein, la conversation avec le secrétaire général à la présidence. Mais le secrétaire général à la présidence, sa place doit être là. Quand on parle du gouvernement, quand Paul Bien voyage, il laisse l'État au chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement qui est le premier ministre, qui donne les lignes à suivre. Non, tu vois, c'est parce qu'on a délégué les signatures à un individu. Voilà. Qu'est-ce qu'un directeur de cabinet civil vient faire là? Il vient faire quoi là? Hein? Il vient faire quoi là? Il est derrière en cachette. Le directeur du cabinet civil, c'est un boy. On appelle la bonne. Il est boy. C'est le boy. C'est le vrai mot. C'est parce que c'est l'État. C'est parce que c'est la fonction républicaine qu'on utilise directeur du cabinet civil. Mais en réalité, c'est le boy. Voilà. Donc, c'est le garçon de maison, en fait. C'est le garçon de maison qu'on a modernisé. On lui a donné un autre titre, voilà, plus éloquent. C'est un garçon de maison, le boy. Alors,
Est-ce que Nyat pouvait être à l'aéroport? Après tout, si on veut dire, c'est la deuxième personnalité de la République, du pays, en fait. Voilà, mais il n'est pas là parce que lui, il est plus fatigué. Et celui qui est dans un hôpital en train de se soigner. Là-bas, Yéré Dibu, lui-même est fatigué. Vous voulez quoi? Avec la lui, là, on va avancer comment dans notre pays? On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà un père, à peine dans son pays, il est visible. Mais le voilà, parce qu'il a été invité, il profite. Les JO, on va l'inviter là-bas. Lui aussi va partir. Voilà, il profite pour bouger. Parce qu'il sait que celui qui l'invite assure sa sécurité. Voilà. Celui qui l'invite assure sa sécurité. C'est clair, simple comme bonjour. C'est clair, simple comme bonjour. Donc nous sommes dans un pays où, préparez-nous, 2025, c'est pas à blaguer la famille. Ok? C'est pas à blaguer. Ce sera chaud devant, chaud, 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 chaud. Chaud devant. Et ce qui s'est passé l'autre jour avec Ramon Kota, prenons conscience, c'est simple comme bonjour. Sachant qu'il y a un autre front déjà, qui s'ouvre comme ça là. Donc ne soyons pas surpris que le moment venu, Olingi nous surprend avec ses hommes. Voilà. Ne soyons pas surpris que le moment venu, que Olingi nous surprenne avec ses hommes. Voilà. Ah, le pays au Cameroun. mon ami, attendez. Macron, c'est le patron de Paul Biya, non? C'est moi qui vais te dire. Macron, c'est le patron de Paul Biya. C'est le patron. Ils vont voir les boss. Les Olingi, tout ça, vont voir le patron. Voilà le patron. Voilà. Voilà le patron. Voilà le patron, les tous là. Les tous, c'est le patron, c'est Macron. Non, il ne peut pas faire allégeance. Mon ami, tous là, voilà le patron. Le patron, c'est Macron. Voilà. Mais pas le patron de Ibrahim Traoré. Jamais. Ah oui, jamais. Donc moi, le président Maurice Kamto pouvait dire que bon, j'accepte les conditions. Et je deviens président du Cameroun. C'est que le président Maurice Kamto dit non, 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 non. Indépendance totale. C'est clair. C'est clair. Mais oui, attends, vous parlez de quoi là? Même les Ouattara, c'est parce qu'ils ont accepté. Mais c'est que Ouattara a accepté. Mais il a dit, je me mets au travail pour développer mon pays. Je sais, oui, les patrons, voilà. Les patrons prennent la grosse part, mais le peu que j'ai, je vais construire mon pays avec. Je vais endetter mon pays, mais je vais construire le pays. Mais ce qui est mauvais chez nous, c'est que on endette le pays, on ne fait rien de cela. On cède le sous-sol camerounais au prix de rien. Et les Camerounais n'en profitent pas. C'est simple comme bonjour. Dans tous les pays du monde sont endettés. Mais au profit du pays, au profit des populations. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tous les pays du monde sont endettés. Nous sommes dans un pays comme ça, le pays en chantier tous les jours. Le pays est en chantier en Indonésie. Alors, il n'y a pas de voitures d'occasion ici, là. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de voitures d'occasion. Ah, mon frère, il sera humilié comme d'habitude, non? Il sera humilié comme d'habitude. Est-ce que l'essentiel c'est d'atterrir? Mais c'est que les Camerounais sont devenus éveillés. Voilà. Il n'est plus la bienvenue comme à l'époque. C'est simple comme bonjour. Ça avait tous les risques. C'est aussi une forme de chantage. Voilà. C'est une forme de chantage. C'est le genre où c'est lui qui négocie maintenant son invitation à lui. Et il n'est pas là-bas pour rien. Voilà. Il peut prendre des engagements que vous ne pouvez pas imaginer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois qu'un père comme ça là, qu'est-ce que le voyage peut encore lui apporter? Depuis les années que Paul Biya voyage là, qu'est-ce qui a changé sur la vie des Camerounais? Rien. C'est parce qu'il voyage pour ses intérêts personnels. C'est simple comme bonjour à comprendre. Est-ce que si Paul Biya voyageait pour l'intérêt des Camerounais, mais c'est que ça se voit, c'est que ça se ressent. Voilà. C'est qu'il peut encore consolider sa position, sa place. En cédant encore peut-être les sous-sols, voilà, en validant certains contrats, voilà, c'est ça, hein, c'est simple comme bonjour,
en prorogeant encore certains contrats qui étaient déjà arrivés presque à terme. C'est simple comme bonjour à comprendre. Mon ami, un homme qui veut construire dans son pays voyage rarement. Un homme qui veut développer son pays voyage rarement. C'est depuis la création de la BAS que Paul Biya a réduit ses voyages. À l'époque, c'était le président le plus voyageur du monde. Même Ouattara ne voyage pas trop. Parce qu'il faut travailler. Et pour travailler et avoir le résultat, il faut être là. Il faut être là. C'est simple comme bonjour à comprendre. Si tu veux construire et faire des bonnes choses, tu dois être là. Désolé. Sinon, on va te tromper. Sinon, on va te tromper. Allez-moi l'autre. Il va me bloquer la route. Parce qu'il marche avant ça. Ouais, il va aller faire le clown. Il va aller danser. Le manque de respect va tout s'installer comme d'habitude. Tout et tout. Voilà, c'est ça. Il va humilier encore une fois les Africains. Pourquoi quand Paul Biya voyage là, c'est pas l'humiliation. On se moque de lui. Voilà, les blancs là vont le regarder. Regardez. Tu vas à l'invitation de ton petit-fils. Quelqu'un que son fils. C'est-à-dire que ton fils est plus vieux que son fils. Oui. Emmanuel Macron, je crois qu'il a presque le même âge avec Franck Biya. En fait, il est le grand frère. Il est le grand frère. Je crois qu'il est le petit frère Franck Biya. Ah, certains Africains, hein, vont dire l'Africain a sa dignité. Quelle dignité? Il y a certains Africains qui humilient les autres Africains. Surtout certains chefs africains. Voilà, c'est là où tu comprends que l'esclavage n'a pas existé pour rien. C'était aussi avec l'accord de nos chefs, certains de nos chefs véreux. Bah, je n'arrive pas à comprendre comment tu es un papa aussi vieux, fatigué. Voilà. Tu es vieux, tu es fatigué. Dans ton pays, apparemment, à peine on te voit. Mais quand même, ton fils t'invite. Tu cours, tu pars. Tu cours, tu pars. C'est marrant. C'est marrant. Il faut être un papa égoïste, indigne, pour se comporter de la sorte. Voilà. Parce que un papa qui a une pensée commune, qui a la volonté de l'intérêt commun, ne peut pas s'hasarder à accepter n'importe quoi, accepter n'importe quelle invitation. Pour faire quoi là-bas? Tu es dans un pays délabré qui n'avance pas. Voilà, tout est bizarre. Voilà, tu n'as même pas d'avion. Voilà un pays, voilà un chef d'État qui passe son temps à voyager. Il n'a pas d'avion. Alors, il n'a pas d'avion. Avons-nous l'avion? L'avion qui a transporté Paul Biya, c'est l'avion du Cameroun. C'est pas honteux. Tout est en location, tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce pays. Ah oui, tout est à refaire. Dans notre pays, tout est à refaire, les gars. Et c'est vraiment honteux de voir un monsieur qui a 42 ans au pouvoir, qui aime les voyages, mais qui ne s'offre pas les outils de voyage. C'est vraiment bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Tu aimes tout ce qui est bien, mais c'est toi qui n'as rien, alors que tu as les moyens. Mais attendez, tu ne peux pas aimer la bonne vie alors que tu as l'argent. Tu ne t'offres pas les belles voitures. Tu ne t'offres pas une belle maison. Mais oui, comment? Tu es un chef d'État, c'est toi qui aimes voyager. Mais c'est toi qui n'as pas de vol. Mais oui, c'est toi qui n'as pas une compagnie aérienne. Tu vas te vanter avec quoi? Tu vas te vanter avec quoi? Tout en location. On comprend pourquoi certains Camerounais mettent en location. Pourquoi qu'ils aient mis quelqu'un? Ils aient mis quelqu'un qui est là. Ils aient mis leur président. Voilà un monsieur que depuis que il est devenu président, on ne peut pas te montrer sa maison. Lui, dans sa tête, il sait qu'il va mourir quand il est tout dit. On va faire le deuil que là-bas. Mais oubliant que c'est la maison de l'État. Ah, vraiment. Que Dieu humilie ce papa-là, franchement. Il a trop fait du mal au Camerounais. Il a trop fait du mal au Camerounais. Ma soeur chérie, autant, tu dis qu'on va faire comment pour combattre Gongo? Est-ce que Gongo existe? Non. Gongo n'existe pas. Il ne faut pas le prendre en considération. Arrêtez ça. Il ne faut pas le prendre en considération. Mais oui. Voilà. Paul Biya a eu la chance à l'époque parce que la constitution disait que au cas d'absence du chef d'État, voilà, le premier ministre, voilà, prend la place. Hein? Voilà, c'est tout. On lui a confié le parti. Donc voilà un peu, c'est simple comme bonjour.
Mais à part ça, là. À part ça. Est-ce que Ngong remplit toutes les conditions juridiquement, constitutionnellement? Est-ce que Ngong remplit toutes les conditions? Et je crois qu'avant de vouloir prononcer, il faut te rassurer que ce que je vais dire là, ça va avec la République. Oui, on connaît, nous sommes dans une République bananière. Oui, mais, quand vous parlez souvent, vous dites que Ngong, mais attendez, il est là parce qu'on lui a confié quelque chose. Il est là parce qu'on lui a confié quelque chose. Hein? Il est là parce qu'on lui a confié quelque chose. Mais en réalité, si bien n'existait pas, parce que Ngong n'existe pas, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Donc arrêtez parfois de faire certains débats qui n'ont pas de sens. Il y a des débats que ça ne sert à rien de parler de ça. Parce qu'en voulant parler de ça, c'est comme si tu lui donnes trop de... Tu lui donnes trop de valeur. Voilà. Il a de la valeur simplement juste pour, parce que Pombia lui a dit que bon, Perica. Voilà. Et quand on lui donne certains consignes, on filme pour dire que non, j'ai confiance en lui. Mais en réalité, il a quelle valeur? Il est élu. Est-ce qu'il est élu? Il est député. Est-ce que c'est lui qu'on a élu? Disons que mais oui, l'autre a braqué les élections. Au moins, il a participé aux élections. Mais l'autre, est-ce que Ngongo a un jour participé aux élections pour être président de la République? Paquet Hachimi, vous dites que non, on va le combattre. Le combat que lui, c'est qui? Légitimement, il n'a aucune valeur. C'est quelqu'un qu'on a nommé. Ça veut dire que même à partir de la France, là-bas, il suffit un décret et on signe. Tac, c'est fini. On a fini avec lui. On le démet de cette fonction. Voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Voilà. Ouais, c'est un colon. Mais c'est un colon, non? C'est un colon. C'est quelqu'un que c'est son intérêt. C'est, s'en fiche. En fait, c'est les gens. Avec le temps, non? Il faut que, la famille, il faut que nous. C'est notre air. Vous savez, c'est notre air. Et puis. Nous devons comprendre que ce n'est pas tous les vieux qui sont gentils. Ce n'est pas tous les vieux qui sont gentils. Voilà. Et ne vois pas souvent certains vieux cédés. Tu penses c'est parce qu'ils ont peur de toi. Non. Même chaque vieux peut être méchant. Chaque vieux peut être bon. Pour dire, c'est un vieux qui est méchant. Voilà. Un vieux méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de la compassion pour ses petits, pour ses enfants, pour ses sujets. Un vieux, c'est quelqu'un qui sait que, en prenant telle décision, combien de personnes vont mourir. Et la majorité qui meurt là, c'est qui? C'est la jeunesse. Mais attendez. Attendez, mais on construit le pays pour qui? C'est pour la jeunesse. Dans une société où on a formaté les jeunes, que eux, ils doivent souffrir, mourir, au profit des vieux. C'est une société qui part en perdition. C'est clair. C'est une société qui va en perdition. Interpelle, si tu es en Europe, interpelle 10 Européens, interpelle 10 Asiatiques, interpelle 10 Américains. Ils ont une conception de la vie différente. Mais c'est clair. L'État fait ce qu'on va exploiter le jeune. On l'exploite pour qu'en retraite, il commence à vivre de sa petite pension. C'est clair. On l'exploite. Mais oui. Mais en Afrique, le jeune n'a pas le travail, mais on l'exploite. On a fait la loi, les lois de manière que lui ne peut rien réclamer. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Mais oui. Voilà Moudiki. On dit qu'il est parti, ben c'est en France, tout et tout. Mais le voilà toujours qui a été maintenu. Hein? Conseil d'administration, la CNH, Moudiki, retenu encore. Il est maintenu. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui est là, il est fatigué. Depuis les années qu'il est DG à la SNH. Hein? Depuis les années, l'argent du pays. Ouais, comment? Alors, voilà des gens que depuis l'enfance, à l'époque, ils n'ont même pas connu la souffrance. À l'époque, quand tu avais le bac, ta vie était déjà bien, était déjà assurée. Mais oui. À l'époque même, quand tu avais le CEP, ta vie était assurée. Mais regardez comment eux, ils s'accrochent. Ils ont amassé des fortunes. Des milliards. Ils ont dans les fils qui sont milliardaires. Mais ils sont là, ils sont accrochés. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne pensent pas à la jeunesse. Alors, ils pensent à la... ils s'en fichent. Donc quand je vois certains jeunes qui viennent supporter le régime en place, j'ai pitié, je dis, ah, je comprends pas. Et quand tu vois parfois sa vie, il n'est pas mieux que toi qui critiques là. Ils sont nombreux là sur Facebook.
Ils sont ceux qui ont dit que oh, tu parles quoi comme ça? Oh, c'est un vieux sage. Mais attendez, mais un vieux sage doit concevoir les choses de telle en sorte que les jeunes peuvent profiter. Dites-nous, la place de la jeunesse, c'est où au Cameroun? Ah, c'est être militaire. Pour combattre qui? Hein? Donc la place de la jeunesse au Cameroun, c'est être benskineur. Dans un pays où les vieux ne vont pas en retraite, mon frère, sachez que la destinée de la jeunesse, c'est le chômage. Simple comme bonjour à comprendre. Voilà. Dans une société où les vieux ne se reposent pas, où on a conçu le monde, la société de telle en sorte que le vieux ne se repose pas, on est mal barré. Parce que quelqu'un qui a déjà 90 ans, qui est en fonction depuis peut-être 50 ans, a avalé au moins l'avenir de presque 500 jeunes. Tu es en fonction depuis peut-être 4. Tu es en fonction depuis 50 ans. Depuis 70 ans. On dit que quand à 70 ans, à 90 ans, on te dit qu'il travaille depuis l'âge de 27 ans. Imagine. Depuis l'âge de 27 ans, il travaille. Il est fonctionnaire. Mais attendez. Imagine les générations et les générations qu'il a tuées. Ils ne vont pas en retraite. Hein? Voilà Essogo. On lui a donné 2 ans, 2 ans, 3 fois. Donc ça veut dire qu'il part en retraite à 6 ans. Sans savoir, il est sans savoir. Il n'avait pas l'âge de Kumba. Quand tu vois l'ancien délégué régional là, hein, de la police du littoral, quand tu le vois, c'est un Joe qui nageait dans les 70 ans. Tu sens que c'est l'acte de Kumba. Ils sont nombreux là. Voilà l'Afrique. Ada Allah de la retraite. Hein? Nidiawa Bakari. Il a Allah de la retraite. Mais oui, le gouverneur du littoral. Il a ou bien il a déjà ouais, 68 ans. Donc voilà les gens qui cumulent déjà près de 10 ans de retraite. Mais ils sont en service. Ils sont en service. Parce que les administrateurs civils vont en retraite à 58 ans, 60 ans. Mais voilà des gens qui ont atteint l'âge de la retraite, ils ne vont pas en retraite. Ça veut dire qu'ils bloquent la promotion des sous-préfets. Parce que le préfet doit monter. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a plein de sous-préfets qui sont administrateurs civils principaux. Donc ils ont atteint l'échelon de leur grade. Mais ils sont tous sous-préfets. Pourquoi? Parce qu'on a des gouverneurs, on a des préfets qui ne vont pas en retraite. Mais oui, qui ne vont pas en retraite. Et tout ça empêche qu'on lance les concours. Mais oui. Plus on a la promotion, on gravit les échelons. Et le moment venu, on part en retraite. On laisse la place aux autres. Dans tous les domaines. On n'envoie pas les gens en retraite, vous voulez quoi? Hein? On ne dit pas aux gens que reposez-vous. Vous voulez quoi? Voilà les dégâts. Voilà les Samuel et tout le temps. Mais on veut voir, voilà quelqu'un qui a massacré nos héros nationaux. Hein? Nos héros nationaux. C'est héros nationaux, mais c'est héros nationaux. Hein? Voilà quelqu'un. Semengue là. Voilà l'un des bourreaux. Ceux-là à l'époque. Couper la tête de nos ancêtres. Oui. Mais voilà aujourd'hui qui bagarre avec Samuel Eto'o. Aucune dignité. Mon frère, on ne peut pas te respecter. On ne pourra jamais te respecter tant que tu es toujours en service. Voilà. Voilà. On entre dans la cour des grands après avoir rendu service. Quand on se tourne, on pense à toi. On voit les lois au service que tu as rendu à la République. On te donne le chapeau. Voilà, après combien d'années, Semengue, toujours là maintenant, il combat maintenant que son arrière-petit-fils. Quand on te parle de l'époque de Macky, Semengue était déjà là. Il était à côté des colons. Donc les colons ne venaient pas combattre nos zéros seuls. Et ils venaient avec la complicité de l'armée nationale coloniale. Parce qu'il faut bien préciser. Aujourd'hui, le même Semengue, hein, est contre Samuel Eto'o. Imaginez qu'un homme comme ça là, il était toujours en service. Imaginez ce qu'il pouvait faire à Samuel Eto'o. Bah, c'est les pères comme ça là que le sang des Camerounais versait sous sa main. Il a le sang des Camerounais sous sa main. Là. Ce monsieur qu'on appelle Semengue là. Mais oui.
aujourd'hui. Mais vous allez voir certaines personnes. On va dire non. Comme c'est entre eux, vous ne pouvez rien dire. Bah, c'est semaine. Mais si c'est quelqu'un d'autre, oh non, vous voulez quoi? Vous êtes jaloux? Oh, mais pour lui, vous ne pouvez pas crier. Bande de tintin. Vous êtes très perdu, vous là, certains Camerounais. Il faut les voir. Il c'est moi qui critique Samuel Eto'o. Oh, mais Semenge ne veut même pas le comprendre, ne veut même pas le gérer. Voilà. Bah, quelqu'un qui a me déposé ou Biondé à terre. Les Félix Moumi à terre. Les Ernest Wandi à terre. C'est Semenge. Voilà. Mais c'est toujours lui. Les histoires de Samuel Eto'o, il est dedans. Ouais. Il ne veut pas se reposer. Alors, vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Alors, laissez certaines générations se combattre. Dans les pays qui se respectent, les vieux sont derrière. Ils orientent les jeunes. Voilà. Ils sont comme les arbitres. Ils regardent, ils observent, ils tranchent. Ils regardent, ils observent. Quand ça ne va pas, eux, ils se mêlent. Ils tranchent. Alors, regardez les pays comme le Nigeria. Les anciens présidents sont là. Alors, ils font tout pour trouver la solution. Alors, restons là, n'arrangez pas. Aujourd'hui, si le pouvoir retourne au Nigeria, c'est parce que c'est la guerre du Biafra qui a apporté un grand changement. Mais oui, c'est la guerre du Biafra. Que ce qui se passe dans le Nozo là ne nous éveille pas. Nous allons lire tous. Nous allons lire. Que ce qui se passe dans le Nozo là ne nous éveille pas. Voilà. Que mon gars, qu'un pays là, c'est comme une réunion familiale. Ok? Et que s'il y a l'argent en banque là, que chacun doit avoir sa part. Et tant que tu veux manger toi seul, avec ta femme et tes enfants, tu vas lire, c'est clair. Tu vas lire. Donc un pays, c'est un gâteau national. Donc pour ceux qui sont en train de dire, non, vraiment, tu vas justifier quoi? Nous sommes dans un état tribal, que tous les postes stratégiques, ce sont les mêmes personnes qui sont là-bas. C'est presque les mêmes tribus. Voilà pour bien qui voyage. Hein? C'est le secrétaire général qui est Ngongo. Le même village. Vondo Ayolo, le même village. On te dit que c'est son oncle. Hein? L'ambassadrice du Gabon, du Cameroun au Gabon. Du même village, on dit que c'est sa nièce. Maintenant, même la bonne qui a sonné la dernière fois 600 millions, là, c'était tout sa soeur du village. Au palais de Toudi, même le jardinier, c'est du village. C'est comme ça. Hein, ça manque. Ça ne manque pas. Voilà. Ça ne manque pas. Mais quand tu vas voir un président comme Olingi dit que c'est entre nous les enfants. Mais tu vas voir quand va venir justifier que, mais attendez, mais on parle d'un homme d'État. Un homme d'État ne dit pas n'importe quoi. Surtout quand tu es aux affaires. Mon ami, un opposant qui veut être président est différent du président qu'il est déjà. Donc il y a le langage que tu enlèves de ta bouche. C'est clair. Mais voilà un monsieur comme Olingi qui encense le président d'un pays voisin où tout va mal là-bas. Mais c'est lui qui déclare que c'est mon père, c'est entre nous. C'est entre nous l'enfant. C'est entre nous l'enfant. Ah, c'est entre vous l'enfant. Hein? Ok. C'est entre vous l'enfant. C'est entre nous l'enfant. C'est entre vous l'enfant comment? Le Cameroun est un état enfant. Si Paul Biya est enfant, est-ce que tous les Camerounais qui sont enfants? Est-ce que les Douala sont enfants? Hein? Est-ce que les Bamileke sont enfants? Hein? Que c'est entre nous l'enfant. On va tout voir en Afrique centrale. Hein? Les pays villageois comme ça là. On comprend pourquoi ils sont sous-développés. Les gens qui ont tout. Ils sont sur la mer. Regardez bien ces pays là. Ils sont sur la mer. Congo. Gabon, hein, Guinée équatoriale. Regardez bien. Pays villageois. Hein? Qui va lire? Qui va lire? C'est la fin des choses. Laissez ça. Qui lire? Dis que toi tu lis là. Si tu n'es pas prêt pour te défendre, ça te regarde. Si on ne veut pas se lever, ça nous regarde, tant pis. Voilà, personne ne viendra changer le destin de quelqu'un. Si ce n'est pas que lui-même. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà. Arrêtons d'embrouiller les gens. Oh, on va lire. Personne ne lit là. Personne ne lit là. Voilà. Il fallait quelqu'un comme le président Maurice Kamto pour éveiller les Camerounais. Et grâce à cela, on lui dit merci. Voilà.
On lui dit merci qu'à un certain moment de la vie, il a apparu comme un messie pour nous éveiller. Tu sais, les gens voient tout ce qu'ils ont gagné. Mais ils oublient celui-là qui les a révélé ce qu'il fallait faire. C'est ça. Mais oui. Le président Maurice Kamto nous a révélé la politique. Voilà, que c'est un point central. Que c'est très important dans la vie d'un homme. Voilà. Dans une société où la jeunesse s'intéresse pas à la politique, on va les voler leur destin. C'est clair. On va les voler. Donc le président Maurice Kamto a dit, il n'y a que politiquement qu'on peut voler le destin d'un peuple. Il n'y a que politiquement. Un peuple qui ne s'intéresse pas à la politique, on va lui voler son destin. C'est clair. Et c'est ce que Paul Biya a profité pendant 42 ans pour détourner et voler le destin des Camerounais de près de 4 générations. De près de 4 générations. Parce que nous, on ne s'intéressait pas à la politique. On ne s'intéressait pas à la politique. Alors qu'à l'époque, à 25 ans, ils étaient déjà députés. À 30 ans, ils étaient déjà députés. Ils étaient déjà maires. À 30 ans, ils étaient ministres. Mais aujourd'hui, à notre époque, on te dit qu'à 40 ans, tu as un enfant. À 45 ans, tu dois encore chez ton père. On t'applaudit. Alors qu'à l'époque, déjà avec ton CP, monsieur, tu partais travailler. Tu partais travailler. Tu partais travailler. Donc voilà. Tu étais au service de la République. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils nous ont ramenés en arrière. Ils nous ont bien trompés. Paul Biya n'est pas seulement venu détruire le Cameroun. Il a aussi détruit la génération, plusieurs générations. Il a détruit plusieurs générations. Oh. Et même pas ça, mes chers frères et sœurs. Si on avait eu des leaders, des chefs d'État qui ne réduisent pas la République à une affaire de village, est-ce qu'on pouvait être là à perdre le temps à parler de l'affaire du village? On devait être en train de parler du développement du pays. On n'interdit pas de reconnaître d'où on vient. Mais le plus important, c'est de faire comme si d'où on vient est prioritaire que la République. À ce moment-là, tu influences les autres et eux, ils se rétractent à eux-mêmes. Voilà. Voilà, tu frustres les autres. Et puis, les gens se rétractent entre eux. Les gens se solidifient entre eux. Mais c'est ça le problème. On ne refuse pas de reconnaître d'où tu viens. Que tu sois Grassfield, que tu sois d'une Grand Nord, que tu sois du Nord. On ne refuse pas. On ne refuse pas d'aimer ton village. On ne refuse pas. Mais dès lors que tu es un homme d'État, il faut savoir t'en tenir. Il faut savoir t'en tenir. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que nous avons les chefs d'État qui s'asseyent, qui parlent des choses qui ne devons pas parler en public. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu vois Olingui dire que si je consulte la route, d'abord, là où il est en train de tenir le discours, d'abord, c'est d'abord délabré, tout cassé. Il dit qu'il construit la route pour aller chez son père, parce qu'il a un autre papa là-bas au Cameroun, qui s'appelle Popol, le président Paul Biya. Il a dit que les sanctions vont tomber seules. C'est la famille.
C'est la famille. Tu vois, hey, c'est normal ça. Hey, c'est normal. Hey, c'est normal. Yo, la famille, je vais vous laisser. On a un frère là qui est... On a un frère malade là, et puis voilà. Je viens assister à la réunion. On a un frère camerounais qui est malade. Il va vous laisser. C'était un petit message que j'avais à parler. C'est qu'il est sûr et certain, il va courir là-bas. Est-ce qu'on va lui laisser tranquille? Et quoi que, il a 1000 ans, on ne le pourchassait pas. On va un peu le pourchasser là-bas. C'est un peu comme bonjour. Il sera pourchassé comme d'habitude, non? Est-ce que les gars vont lui laisser? Voilà. C'est lui qui interdit les gens au Cameroun. Mais c'est lui qui est quand même courageux pour aller chez les autres. Mon frère, est-ce qu'on a besoin de le toucher? Non seulement le fait. Non seulement le fait de crier sur lui. C'est l'humiliation. Il y a des gens qu'on n'a pas besoin de taper. Il y a des gens qu'on n'a pas besoin de gifler dans la vie. Mais seulement le fait que... seulement le fait de crier sur lui, c'est l'humiliation. André, tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Avant-hier. Ah. Alors, je vais te demander, André, tu es parti au Cameroun. Ouais, ça, je t'avais dit ça le jour, le dimanche, j'étais venu. Ah, tu as fait le passeport? Oui, ça, c'est passeport. Fini là? Hein? Les gars sont encore là? Oui, en tout cas. On a fini de contribuer? Non, il y a le cahier qui est avec Donkey. C'est là actuellement là. Oui. Il est rentré. Donc il est là. Ok, je vais partir, je vais compter ma contribution là. Hein? Bienvenue alors. Merci. Non, on a un frère qui est malade là, il va rentrer. Voilà, il va rentrer. Faut tous se soucier quand un frère est malade. Je me suis déplacé. Et puis donc, je vais profiter pour passer un petit message. Je m'adresse à vous, les frères qui partaient dans les pays, qui ne voulaient pas assister aux associations. L'association est très importante. Et quand on dit une association, là, il y a souvent le regroupement des Camerounais. Il faut souvent assister, c'est très important. Parce qu'on ne sait jamais. La vie tourne. Hein? Ta vie peut être bonne aujourd'hui, demain, ta vie est mauvaise. Et parfois, tu n'as que besoin de quelque chose, le billet d'avion. Parfois, tu as même le billet d'avion, mais tu as besoin du réconfort de tes frères. Donc je vous invite à comprendre que la vie, quand tu es dans un pays étranger, la seule famille que tu as, même si tu as une femme qui est étrangère, la seule famille que tu as, ce sont tes frères. On sait, ta femme t'aime. Mais sache que si tu tombes là, parfois la femme que tu as connue n'a jamais été en Afrique. Parfois la femme que tu as connue n'a jamais été dans ton pays. Parfois même les enfants que tu as là n'ont jamais été au Cameroun. Donc méfie-toi. Si tu n'aimes pas aller au Carrefour, tu n'aimes pas souvent passer au Nganda. C'est très important. Le Nganda a sauvé la vie des gens. Le Nganda a sauvé la vie des gens. Là-bas, au moins, on donne espoir. Voilà, c'est pas tout parce que tu as les problèmes. Vas-y, fais un tour. C'est très important. En bon entendeur, salut. Je viens comme ça donner ma participation. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons un forum où j'ai dit, je donnais tel montant. Donc, je viens les donner. Il faut passer de la parole à l'acte. Et c'est un frère, je vais profiter pour le voir. Parce que c'est un frère que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On est de la même génération ici là. Voilà, c'est quelqu'un avec, voilà, vers le Maghreb là-bas. Et puis voilà, après on se retrouve en Asie. Voilà, c'est comme ça. Il faut toujours passer au Carrefour, c'est très important. Très important la famille. Allô, c'est comment? Tu as le cahier? Oui. Allô.